Salut les escrocs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien, parce que là, préparez les petits pop-corn les gars, parce que j'ai envie de vous dire, elle va peut-être pas être longue la vidéo, enfin si, elle va être, on va dire normale, classique, mais il y a du lourd. Au programme, Chelsea, Liverpool, Juventus, Chelsea, et peut-être Arsenal, on verra, mais en tout cas, là, il y a au moins 4 matchs, voire 5, allez. Si vous êtes sage, on fera peut-être 5 matchs, on verra les enfants. Donc on est parti. En tout cas, il n'y a que du lourd dans la vidéo. Là, il nous reste 2 jours. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Oula, pourquoi il reste plus? Pourquoi j'ai 2 jours de libre? On va simuler les entraînements au niveau des ailiers. Ah oui, Gray blessé, d'accord. Ok, d'accord. Je ne me souvenais pas de ça la semaine dernière, mais ok. On va faire augmenter le petit Maillet là. Xavier Maillet, on va le mettre en... On va lui faire quoi? Attendez, création d'occasion, hop. Ça va lui entraîner un peu à la finition. Donc Amarté ici, Depay en coup franc, Barbier ici. Il nous reste quoi? Le gardien pas besoin, les latéraux non plus. Défenseur central, je savais pas que j'avais Albert ici. Kipembe commence à être très très fort, faut continuer de l'augmenter parce que faut qu'il soit très très fort pour être dans l'équipe 1. Donc hop, on va le mettre défense 1 contre 2, Amarté ici, ok, on est bon, on simule tout. Et ensuite on va se concentrer sur notre premier match, c'est une finale. D'ailleurs j'ai regardé dans les commentaires, il y a un mec qui l'a dit. Le mec, en parlant de moi, le mec il est en finale, il est même pas au courant. C'est tellement un escroc qu'il est même pas au courant qu'il est en finale quoi. Donc c'est carrément vrai. J'étais même pas au courant que j'étais en finale face à Chelsea de cette... je crois que c'est la FA Cup, offre pour le poste sélectionneur de l'Équateur. Ok, non merci. 3 mois. 3 mois, Gré. La saison est quasiment terminée pour lui là. Ah ouais. Ah ouais, bon bah Gray, écoute, déjà, bah, ça dégage. Oh putain. Albrighton, il peut jouer à gauche? Mais oui, c'est parfait, ça tient. Albrighton, tu vas à gauche. Maillet, ailier droit. Et puis après, hop, Payard, là. On va le mettre sur le banc des remplaçants. Ça va être pour l'équipe B. Du coup, on sauvegarde. Et pour l'équipe 1, il va falloir retirer Gray du banc. Puisqu'il est blessé 3 mois. Fracture de la cheville. C'est dur pour Gray quoi. Il était très très bon en plus. Du coup bah Gray tu sors. Et on va mettre ouais on va mettre Maillet. Écoute hein, on verra bien ce que ça donne le petit Maillet là. Ouais par contre 3 étoiles de geste technique. 1 étoile de mauvais pied. Question. Petite question. Je me suis toujours posé la question. Vous allez très certainement pouvoir m'aider. Est-ce que... Vu que les mecs sont dans mon centre, enfin ils viennent du centre de formation ces mecs là, est-ce qu'ils peuvent augmenter en mauvais pied et en geste technique ou est-ce que c'est comme, bah, comme nous en carrière ça bouge pas et en gros ça va être pour toute leur carrière. En gros le mec il va rester à 1 étoile de mauvais pied et 3 étoiles de geste technique. Je ne sais pas du tout et si vous pouviez me dire ça dans les commentaires ça m'arrangerait les escrocs. En tout cas merci d'avance. Du coup nous on va se concentrer pour cette finale face à Chelsea. Hop. On avance. Alors là, faut pas se gourer. Donc déjà, on a 1 jour de repos. Est-ce qu'on met l'équipe bis? Parce que le championnat, c'est quand même très important. On tombe sur Liverpool. J'ai quand même envie de mettre l'équipe 1 quoi, pour la finale de FA Cup. Hein. Ouais. On va mettre l'équipe 1. On va mettre l'équipe 1 et on mettra l'équipe... manière l'équipe B est trop fatiguée. On est obligé de mettre l'équipe 1. Ok, c'est parti. Donc c'est parti pour ce match face à Chelsea. On va jouer avec nos maillots bleus. On va les faire jouer en blanc. Du coup, l'équipe classique. Drinkwater, Mendy, Amarté, Schlup, Kipembe, Morgan, Semedo, Schmeichel et Vardy, Mahrez et Depay. Ok, let's go. Je vous fais profiter de la vue, les gars. Là c'est de toute beauté. On sent pas les couilles. Finale de FL Cup face à Chelsea, les gars. Je sais pas s'ils ont... Ouais, bon, je pense qu'ils ont mis l'équipe 1 de toute manière. Nous aussi, ça tombe bien. C'est parti pour The Big Game.
ce match, à mon avis, va les faire redescendre sur terre. L'équipe, alignée par l'entraîneur. Oh ! Ils sont donc alignés en 4-3-3 aujourd'hui. Avec un trio d'attaquants proche de l'axe. Attention, parce qu'en ce moment, ils sont très très chauds, Chelsea. Et découvrir les joueurs. Bien joué, bien défendu, ça. Allez, Vardy, allez, 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 allez. L'arbitre qui arrête le match. On va pas laisser un joueur blessé comme ça. C'est quoi cette espèce de poids sérieux? Ok, super, on vient de perdre tout simplement notre meilleur joueur. C'est cool, super bonne nouvelle, ça donne le smile là. Juste avant d'enchaîner les matchs, en plus il y a un match de Ligue des Champions qui arrive face à la Juve, ultra important. Non, franchement, super. On commence la vidéo parfaitement là, c'est nickel. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Oh, ça passe. Oui, le centre à ras de terre. C'est pas grave. Bah, Marte, il fait l'effort de venir quand même. Hein. Oh, Morgan, t'es lent, frérot. Mais qu'est-ce que vous me saoulez avec le téléphone là? Mais c'est quoi cette réussite? Ah, vas-y, 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 fais le fou, fais le fou, fais le fou. Oh là 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 là. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va dessus. Bien joué, c'est Médo. Oublie ballon aussi, toi. Daniel Amarté. Oh! Ça tourne bien en ce moment. Allez, allez. Oui. Mi-temps, on est mené 1-0, on enchaîne. Je perds pas de temps. Allez, Vardy. Allez, Vardy. J'ai la pression. Voilà, allez. Faut leur mettre la pression là dans cette deuxième période. Petite tête là, on sait jamais. Premier poteau. Deuxième chance, allez, allez. Ouais, Morgan. Le capitaine. Allez, on revient. Un partout. Passe, il va se craquer. Le contrôle. Le contrôle de Vardy. Oui, la tête. Ils sont pas au top là, Chelsea. Ils sont pas au mieux. Y'a rien. Non. Allez, contre-attaque. Allez, Memphis. Oh, Depay. Oh, Depay. Oh, le travail de Depay. Dommage, ça paye pas. De conservation du ballon. David Luiz, qu'est-ce qu'il fout là? David Luiz, il joue buteur quoi. Ils sont en attaque de folie les mecs. Ouais, ouais, non. Eh hey, mais faut arrêter David Luiz quoi. Il va finir par me mettre un but. Maillet devant. Oh, y'a plus personne. Oh, y'a plus personne. Maillet. Vas-y gamin. Vas-y gamin, mais oui. Allez. Vas-y petit. C'est pas possible! L'arbitre qui met un terme à cette. C'est pas possible! Je rigole au lieu de m'énerver parce que c'est. C'est pas possible. Non, sérieux, c'est pas possible. Ah, Marte qui se fait bouffer par Aspilicueta. Fauche-le, voilà, ça va le calmer là. Bien joué. Oh, c'est Médo. Le retour d'Eden Hazard. Oh là, là, faut pas se louper. C'est David Luiz encore. Oh non, non, il me fume. David Luiz. J'ai pas les mots. Ok, vous jouez en attaque de folie. Bah, nous aussi, attaque de folie, c'est parti. Kipembe ou Morgan, ils vont aller marquer un but aussi. Bon, les gars, il nous reste plus qu'un quart d'heure. En gros, il nous reste une ou deux occasions. Donc, va pas falloir la louper. Oh, oh, c'est beau. Vardy! Défaite. Défaite en finale, je suis dégoûté parce que on a tout donné, on a eu l'opportunité de remporter le match, clairement à la 90e, on part tout seul au but, il faut que ça tombe sur un de mes joueurs les moins expérimentés, le jeune Maillet, et ça tape le poteau. Petit signe, voilà, c'est ça m'étonne pas. Mais bon, voilà, on se tire à 9. On n'a pas su cadrer. On se tire 4 cadrés. On méritait pas. C'est dommage. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment la place, hein, sincèrement. Après, surtout, le but qu'on prend, mais c'est n'importe quoi. C'est un cafouillage. Enfin, bref. Du coup, défaite en finale. C'est dur. C'est très dur. Surtout qu'on a 120 minutes dans les jambes. Donc, la récupération, ça va être encore plus compliqué. On a un match à préparer face à Liverpool.
Dotation de compétition, joueur blessé, ouais, super. 3 mois Mahrez, mais c'est une blague. C'est une blague, quoi. C'est abusé, les blessures dans ce jeu-là. Sérieux. Oh non, c'est pas cool. Putain. Ouais, je vais mettre qui, moi, du coup, là. Mais qu'est-ce que je fous. Mais je suis complètement paumé, mais je fais n'importe quoi. Voilà, Uloa. Ok, j'étais complètement perdu. J'étais complètement perdu. Mais ouais, je suis encore sur le coup de la défaite face à Chelsea, là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va se concentrer sur le championnat, parce que sur le championnat, on est très très bien. On est devant Chelsea. Et il est hors de question de perdre cette première place. Donc, on est parti pour le match face à Liverpool. En espérant le remporter pour consolider notre première place, parce qu'on est leader. Oui, on va les écraser de toute manière. Slimani, Payet, Albrighton. Ah ouais, mais Albrighton, c'est pareil. Albrighton, je peux pas le mettre parce qu'il est dans l'équipe 1 du coup maintenant. Je vais mettre Maillet ici. Et Payet là. Pff, ça donne. On va se faire frapper là. Là, on va se faire frapper. Je sens qu'on va se faire frapper. Je fais n'importe quoi. On a pas mieux, sérieux. Ah, mais en même temps, on a deux blessés quoi. C'est. Ouais, c'est parti, on va laisser comme ça. Let's go. Bon bah Slimani, tout repose sur toi frérot. C'est toi la pointe de l'attaque. Et sur les côtés t'as deux jeunes avec toi. Donc j'espère que tu vas faire le taf. Et surtout que tu vas pas avoir besoin de 10 occasions quoi. Non. J'ai Hut en défense centrale là normalement. J'ai une tour de contrôle là. C'est super bien joué, on va finir par craquer, gardien, magnifique, oh là 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 là, il vient d'enchaîner une triple parade le gardien. Clairement on subit pour l'instant, donc on peut pas attaquer, en tout cas on peut pas répondre à cette équipe de Liverpool, donc on subit. Je ne balance pas parce que ça sert, oh merde, par contre ça sert à rien ça aussi, j'allais dire je balance pas parce que Slimani n'arrive pas à gagner ses duels de la tête. Mais bon je pense que je vais quand même balancer, on va tenter, on va donner une deuxième chance à Slimani. Mais Slimani, il gagne aucun duel quoi sur les 6 mètres, c'est impressionnant. Est-ce que Slimani va enfin gagner un duel de la tête? Non, toujours pas. Super, merci, on repassera Slimani. Hein. Attention les gars. Ça va, ça passe à côté. On n'existe pas. Hein. On n'existe pas pour l'instant, on serre les fesses, je dégage. Et c'est mon 15ème 6 mètres, tout va bien. Et Slimani qui gagne pas un duel de la tête quoi, ça commence à me saouler ça. En même temps, le calendrier est super mal géré. Un jour de repos. Comment tu veux enchaîner les matchs? Un jour de repos, sérieux, quoi. Ah, c'est pas trop mal, là, ce qu'on fait, là. Retour du vestiaire. C'est pas trop mal, ce qu'on fait. Au retour du vestiaire. 1-0, les gars. Contre le cours du jeu. C'est notre deuxième frappe, mais je sais pas ce qui se passe. Au retour du vestiaire, là, Liverpool, je sais pas ce qui leur arrive, mais... En tout cas, ils étaient pas dedans. Et du coup, nous, on commence très, très bien cette deuxième période, puisqu'on marque le premier but du match. Avec une belle frappe de notre défenseur gauche, Fuchs. Mais vas-y, comment c'est possible de faire une... Récupère-moi ça. Oh non. Pff, la chatte. On n'aura pas gardé l'avantage bien longtemps. Hein. Oh, mais attends. Il tombe tout seul là, Lara, tu vas me faire croire. Sérieux. Bon, je fais rentrer quelques joueurs. Je fais rentrer Vardy, Albrighton... Et James au milieu du terrain. Ça amène un peu de fraîcheur avec la vitesse de Vardy. Allez Vardy. Oh là là là, c'est contre le cours du jeu, mais ça peut faire plaisir. Oh là 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 là. Une contre-attaque, il vient tout juste de rentrer Vardy. 2-1, on prend l'avantage, mais oui. Oh, peut-être pour le deuxième but, Vardy, la vitesse qui fait la différence en fin de match. Oh, le troisième but, signé Vardy. Mais oui. Victoire 3-2 face à cette équipe de Liverpool. C'était un match compliqué. On mérite pas. On mérite pas la victoire. 19 tirs à 5. Mais ça, c'est pour la défaite face à Chelsea. C'est pour la défaite face à Chelsea. Du coup, on prend les 3 points sur ce match très important. Du coup, maintenant... On se dirige, je sais pas si c'est tout de suite le match face à la Juve ou pas. Mais en tout cas, hop, calendrier. Ouais, prochain match, c'est le match face à la Juve.
Et après, on pourra prendre notre revanche face à Chelsea en championnat. Donc, ça va être très très tendu. Match décalé. Ok, dotation de compétition. Rapport mensuel sur les jeunes joueurs. Ok. Offre pour le poste sélectionneur. Non merci. Rapport disponible. Ouais, on verra tout à l'heure. C'est déprimant de suivre les matchs depuis les tribunes. Si vous me comptez pas me faire jouer, je souhaiterais être prêté. Ok, calme-toi, garçon. Calme-toi. Ah oui, d'accord, ça a été décalé. Du coup, les matchs ont changé. Il va y avoir un petit match face à Hull City ici. Et ensuite, un match face à la Juve. Donc, déjà ici, c'est sûr et certain, je mets l'équipe B. Parce que je vous rappelle qu'au match aller face à la Juve, on a perdu 2-0. 2-0 à domicile, à la maison. En plus de ça, donc là, va réellement falloir se réveiller et aller chercher une qualif. Mais ça va être très très compliqué de passer tout simplement face à cette Juventus. Surtout que la Juve, ils ont tout simplement 2 buts d'avance. Donc on verra bien. Vardy, on reste comme ça. Ouais, je vais remettre l'équipe bis, hein, pas le choix. On est parti pour ce match face à Hull City. Hop, on va jouer avec les maillots rouges. Tiens, on va les faire jouer en noir. Et du coup, même si les milieux de terrain sont fatigués, on laisse comme ça. C'est parti. Oh la chatte! La réussite! Sérieux! Mi-temps, très peu d'occasions. Là, heureusement qu'on fait un bon tac parce que sinon, à mon avis, c'est grosse, grosse occasion. Donc, mes milieux de terrain commencent à être vraiment, vraiment fatigués. Ils jouent dans leur camp, quoi, les mecs. Ils jouent la passe à 10, quoi. Maloney. Attention, attention. Allez, allez, allez. Vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi plaisir. Alors qu'on va procéder à un changement. Davis. Et but qui leur permet de prendre l'avantage. Pour une fois, c'est un défenseur qui marque. Je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Je fais une faute, mais complètement stupide avec un joueur qui a déjà un carton jaune. J'ai la sanction du carton rouge et derrière, double sanction, le but sur la faute, sur le coup franc qui amène le but. Je suis dégoûté. Fin du match, défaite 1-0, une erreur et on le paye cash. Hull City, sérieux, ils ont fermé le jeu. Équipe vraiment très très moyenne et on arrive à perdre contre ça. Donc je peux m'en vouloir qu'à moi-même, sérieusement, c'est de ma faute. Je prends un rouge complètement stupide. Après, City qui remporte son match 2-1 face à United. Maintenant, jour restant 1. Bon, j'ai pas envie de faire les entraînements, donc on va simuler les escrocs. On va mettre... On peut mettre un ailier. Des pailles, c'est fait. Bon, on va mettre Maillet. Hop, pareil, on va lui mettre. Conservation de balles. Hop, on simule. Et maintenant, on va se concentrer sur les matchs face. Enfin, le match surtout. On va se concentrer sur le match face à la Juve. Ça va être très, très chaud. Au moins, on est sûr. On est assuré d'avoir une équipe en forme. Même si il va nous manquer Mahrez. Ok, merci, joueur suspendu. Ok, au revoir, email de joueur. Ok, Mendy, c'est bon, j'ai compris, tu voulais jouer. T'inquiète pas, j'étais juste en train de faire tourner pour ce match très important. Du coup, Albrighton remplace Mahrez. Je pense que c'est le meilleur joueur. Enfin, c'est un joueur qui est vraiment polyvalent. Je pourrais mettre un des jeunes comme Payard ou Maillet. Mais je préfère mettre Albrighton. Albrighton a une très bonne frappe, il est complet en fait. Il peut jouer partout et à chaque fois qu'il joue, il ne me déçoit pas. Donc je vais le mettre pour ce match très très important. Vardy en pointe, Vardy arrête pas de planter, donc j'espère qu'il va continuer sur sa lancée. Depay, j'espère qu'il va un peu se réveiller, on le voit plus. Et puis pour le reste, on verra bien. Mais en tout cas, voilà, pour cette équipe, on est parti. Let's go pour ce match. Retour de Ligue des Champions face à Juventus. Je vous rappelle qu'on a perdu 2-0 à l'aller. Ouais, il me semble que c'est ça, ouais, 2-0. On va jouer en rouge, on va les laisser en blanc, ils sont chez eux. C'est parti. Allez les gars, la pression est là. Va falloir répondre et surtout faut aller chercher cette qualif. Ça serait juste magnifique, sincèrement, ça serait juste magnifique d'aller chercher la qualif. Mais ça va être très très dur.
Ça va être très très dur parce qu'en ce moment, on joue pas très très bien. Et les résultats sont pas là. Et puis la Juve, c'est très très fort. Ils ont Agüero en plus de ça avec Higuain en pointe. Dybala, je sais pas où il est, mais il y a Cuadrado aussi. Enfin bref, ils ont une très très bonne équipe. Et puis ils ont surtout deux buts d'avance. Donc ça va être chaud. Et puis ils ont surtout, surtout, j'avais oublié, mais ils ont Gianluigi Buffon qui est toujours présent. Donc c'est parti. On voit pas beaucoup de changements aujourd'hui, malheureusement. Déjà, ultra off. C'est pas off, c'est ultra off. Va falloir marquer un but très rapidement dans cette première période, en tout cas. Allez, les gars. Oh là là. Surtout pas encaisser un troisième but dès le début. Hein. Oh là là, Cuadrado, il me fait la misère. Scénario catastrophique. C'est-à-dire qu'on prend tout de suite un but. Il marque de la poitrine. Je sais même pas s'il fait exprès de marquer Agüero. Ça change rien. Entre guillemets, ça change rien parce qu'il fallait absolument 3 buts pour pouvoir être qualifié. Donc là, il faut toujours marquer 3 buts. C'est juste que 2, ça ne suffira pas. Parce que 2, on pouvait aller en prolongue. Là, c'est sûr, il n'y aura pas de prolongue. Donc c'est 3 buts ou rien. Donc va falloir surtout plus encaisser de buts et aller chercher ces 3 buts. Allez, Amartey. Allez, Amartey, écarte là-haut. Vardy. Ah, deuxième chance. Bien joué. Boum. Oh là 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 là, Buffon, arrête. Elle était magnifique, la frappe à ras de terre là, de Mendy. L'arbitre qui indique le poteau de corner. Et les gars, dans le tas. Du monde. Ouh, c'était une belle frappe, Semedo. C'est pas grave, allez les gars, faut continuer. Buffon, il a failli faire une erreur de débutant là. C'est pas grave les gars, on est bien. On a pris un but rapidement, mais c'est pas grave. Oh, c'est beau. Ça passe les gars. On égalise, un partout. Il ne reste plus que deux buts à aller chercher. Allez les gars, au pressing tout de suite. Hein. Là, il va falloir courir au milieu de terrain. Et surtout lui, limite, faut le faucher. Hein. Il peut pas nous remettre la misère comme ça sur son côté. Ouais, tout de suite, le tacle. On cherche pas à comprendre. Dommage. Allez, on continue. Allez, les gars. Faut rien lâcher. C'est pas grave. Allez, Fuchs. Au bout. Tu le gênes. Voilà, bien joué. Oh là. La flow. J'ai failli faire une boulette. J'ai pas envie de faire des boulettes comme ça en Ligue des Champions. Pas de relance foireuse, quoi. Oh le Brighton deux fois. Ah, y a Chiellini, il a l'expérience. On peut pas lui mettre deux fois à l'envers. Bon, un partout, première période. C'est tendu, il nous reste deux buts à marquer pour espérer passer au prochain tour et éliminer cette équipe de la Juve. Mais c'est compliqué, mais le point positif, c'est que vraiment, on a les occasions. 8 tirs à 2. Pour l'instant, je vous dis, on est vraiment en train de dominer cette équipe. Donc j'espère qu'en deuxième période, on va continuer sur la même mentalité. Et c'est sûr, on va avoir les occasions. Allez. Tout le monde participe à cette séquence de passes. Bien joué, Semedo. Allez, Semedo. Bien joué, Semedo. Là, tu fais une remontée. Là, tu fais la diff. Il manque plus que l'appel de Vardy. L'appel de Vardy est là. Yes. Allez, le ballon. Il reste plus qu'un but, les gars. Il reste du temps, il reste plus qu'un but à mettre. Merci, Semedo. Allez, Depay, fais l'effort, s'il te plaît. Il va pouvoir centrer. Non, le but, il est venu de ce côté-là. Si on prend un autre but, c'est terminé, les gars. La chatte. Du gardien magnifique. Si on prend un autre but, c'est terminé, les gars. C'est vraiment, vraiment terminé. Il nous manquera deux buts à mettre encore. Faudra tout recommencer, c'est... trop compliqué. Bien joué, gardien. Énorme. Je ne savais pas quoi faire, sincèrement. Je me suis dit, je vais sortir le gardien et je vais anticiper la passe là-haut. Mais les Mina, ils commencent à me saouler, là. Oui, t'es pour jeu. Oui. Vardy. On est qualifié pour l'instant.
La qualif, les gars. Qu'est-ce qu'on fait? On bétonne, déjà on retire l'ultra offensif. On se met en défensif et on va se mettre aussi en contre-attaque. Oh, voilà, par contre, c'est pas le meilleur, c'est pas la meilleure chose à faire de se mettre en défensif. Je vais pas me mettre en défensif, on va se mettre en équilibré. Hein. Allez, tu résistes. C'est obligé d'attaquer, sauf qu'on là on va les contrer. Il s'avance vers la surface. Faute. Memphis. La 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 la. Memphis Depay. Memphis. Dommage. Faut gagner son duel. Hein. Oh là là. Donne au gardien. Dégage ça au bout. Oh, bonne relance. C'est bon ça. Oh là là, ça dégage au loin devant. Et ça va, défensivement on est présent. En bas il y a du monde. Drinkwater. Dommage. Mais pourquoi il y a personne là? Oh bien joué Drinkwater, la récupération. Et il a remis à Drinkwater. Oh, il a pas cadré, mais c'est la qualif, les gars. La qualif. Incroyable retour. Le retour, les gars. Victoire 3-1 au retour. Et du coup, on passe. Ouais, c'était pas facile, mais sincèrement, c'est mérité parce qu'on a ultra dominé cette équipe de la Juventus sur ce match retour. Et sincèrement, merci Semedo parce que la récupération, la remontée de balle. Et derrière la passe décisive pour Vardy. Content. Sincèrement, très très content. On passe au prochain tour. On n'est pas éliminé de cette Ligue des Champions. Et maintenant, sincèrement, le championnat, je peux même perdre le match face à la Chelsea. Ça ne me dérange pas. Là. Je suis vraiment content d'être passé face à cette équipe de la Juve. Du coup, on va mettre l'équipe B. Puisque bon, bah, Vardy, Albrighton, ils n'ont eu qu'un seul jour de repos. Payard a eu un carton rouge. Ok. Du coup, ce qu'on va faire, bah, c'est partir. Hein. Remplacer automatiquement joueur disponible pour ce match uniquement. À mon avis, il m'a mis Albrighton à droite, à tous les coups. Je sens qu'il m'a fait ça. Il m'a mis Albrighton, je sens. Ouais, voilà, il m'a mis Albrighton. On a vraiment personne d'autre parce que Albrighton, il va enchaîner les matchs. Ouais, il y a Maillet qui est là. On va mettre Maillet. Ah oui, c'est vrai, mais par contre, il y a une équipe 1. Oh, c'est pas l'équipe 1 que je veux. Voilà, Maillet, Slimani, Albrighton à gauche. Bah avec les blessures et tout, c'est vraiment compliqué de faire tourner. Donc Albrighton, c'est le joueur qui va enchaîner tous les matchs. Donc on est parti pour ce match face à Chelsea en championnat. On a une revanche à prendre. Allez. C'est Manu. On s'approche. Attention à la frappe. Je me suis dit on va tenter. On est loin, mais on sait jamais. Elle était belle la frappe de Slimani. Deuxième chance, Slimani, c'est pour toi. Oh, t'étais juste devant Courtois, dommage. Ouais, peut-être un changement de possession après ce Bon, mais faut abuser, faut arrêter avec les blessures. C'est vraiment de l'abus, c'est n'importe quoi. Bon, bah voilà, hop, au moins tu rentres un peu plus tôt que prévu. Attendez, je veux juste voir un truc là. Paramètres de jeu. Personnalité, utilisateur. Fréquence des blessures, moi je vais baisser, hein, c'est pas possible, je vais mettre à 40. Gravité aussi, je mets à 40. Je vais mettre à 40 les deux parce que c'est abusé, franchement j'ai trop de blessures. Je sais que c'est un peu de la triche, mais c'est vraiment de l'abus quoi. J'ai trop de blessures. C'est magnifique ce que tu viens de faire. Ouais. J'en tue encore décalé vers le haut là. Mi-temps du coup, bon, c'est compliqué. C'est compliqué, on tombe sur une équipe de Chelsea très très bien en place et du coup on n'a pas beaucoup d'occasions si ce n'est quelques frappes de loin. Donc j'espère qu'on va réussir à trouver la solution. Mais en tout cas pour l'instant ça va. Globalement ça va, même si c'est Chelsea qui a eu la plus grosse occasion je pense. Hop, faute, non? Non, rien du tout, ok. Oh par contre là c'est quoi cette contre-attaque? Courbet, non, Hut, ouais, bien joué à l'expérience. C'est vrai qu'à chaque fois je m'emballe, mais en fait, vu que c'est des joueurs du centre de formation, ils ont aucun physique, ils ont pas de vitesse,
Bah ils ont rien quoi, on peut le dire. C'est une blague. C'est une blague, Slimani blessé. Avec un tir. Ouh, Slimani, bien joué. Fin de frappe et là, oh bah après j'ai de la réussite, ça passe entre les jambes de, du défenseur, mais ça rentre. Les fautes là, je pouvais pas lui remettre le 1-2. Arbitre, ouvre tes yeux, non? Oh là là, on va prendre des contres dans la gueule. Et c'est Hut, et c'est Hut qui va défendre sur Aspi. Merci. C'est complètement craqué, William. Oh, et puis derrière. Oh, derrière, c'est nous qui comptons. Oh là là là, il est complètement tombé sur le crochet de Slimani. Maillet, Maillet, gamin. Sérieux, mais oui, merci Michi. Michi qui fait une passe alors qu'il partait tout seul au but à la 90e. Siffler. Faut siffler là. Allez hop, siffle. Oui. Victoire les escrocs. 1-0 face à cette équipe de Chelsea. C'était un match très très serré. Et au final, on a réussi à prendre notre revanche sur cette finale perdue de FL Cup aux prolongations. Donc bon, à mon avis, on prend une belle avance au classement parce que Chelsea était deuxième et du coup, on met un coup au moral sur Chelsea parce que regardez bien, Chelsea se retrouve cinquième même s'ils ont un match de retard. Ils ne peuvent pas récupérer leur deuxième place. Et nous, par contre, on a 6 points d'avance sur Manchester City, les escrocs, à 11 journées de la fin. Ça commence à être très très intéressant. Après, ce n'est pas non plus une avance de fou, mais c'est intéressant. On va arrêter la vidéo là. Du coup, on va faire un petit rapport d'équipe. On va juste regarder le calendrier pour voir ce qui nous attend la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être Arsenal, West Ham. On ne connaît toujours pas notre adversaire pour la Ligue des Champions. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, on va lire un peu les conférences de presse. On s'en fiche. Joueur blessé. Un mois, mais suspension purgée, ouais. Conférence de presse, email de joueur, merci coach, de rien Mendy. Ouais. Du coup, ce qu'on va faire, c'est, je vais juste regarder, déjà faire un petit rapport d'équipe, mais avant de faire le rapport d'équipe, je vais juste voir au niveau du centre de formation, pardon, c'est pas ça. Voir notre centre de formation, 74, 88, 86, 83, ouais, c'est pas énorme les gars. Il n'y a pas du lourd pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit rapport d'équipe. Smichael, 82 de général, très très bon ce gardien, même s'il a 30 ans, je le trouve monstrueux. Semedo, défenseur droit, il commence petit à petit, mais là, sincèrement, face à la Juve, il a tout simplement été monstrueux aussi, donc merci à lui. Wes Morgan, 33 ans, un petit moins 1, mais ça reste quand même notre capitaine. Kipembe, plus 4, 77 de général. Ok, Schlup plus 2. Drinkwater, toujours présent. Il augmente pas, mais ça reste un joueur très très bon au milieu. Amarté, plus 2, 33 matchs, 6 buts et 2 passes D. Mendy, 3 buts et 3 passes D en 38 matchs. Plus 2, 80 de général, ça bouge pas. Albrighton, plus 1, 4 buts et 6 passes décisives en 26 matchs. Memphis Depay, 16 buts et 13 passes décisives. 82 de général, très très bon joueur. Même si de temps en temps je le vois plus et après bon, ça reste quand même un joueur très très bon, Memphis Depay. Vardy a pris un petit moins, enfin il a perdu un de général, il se retrouve avec 81, il a 30 ans et il fait une saison remarquable. 19 buts, 15 passes décisives, c'est tout simplement le meilleur buteur, le meilleur passeur du club. Donc voilà, Payar qui est là, plus 1, 58 de général, Maillet plus 1 aussi. Fuchs, un petit moins 1, notre défenseur gauche. Fosu Mensah, plus 4. Faites-moi penser à faire péter sa clause libératoire à Fosu Mensah. Slimani, ok, 32 matchs, 11 buts et 5 passes décisives. Ziller, ok, très très bon, ce gardien aussi. Barnes, Chilwell, Iverson, Gray. Il lui reste 2 mois de blessure malheureusement au petit Gray, donc un peu dégoûté. Luis Hernandez, défenseur central, j'ai rien à lui reprocher. Courbet, plus 4 de général, ok. Barbier, plus 3. Moore, Nkou, Uche, ok. On va aller voir tout de suite
Mahrez, 2 mois aussi, 11 buts et 10 passes décisives en 34 matchs. Et on va aller tout de suite voir notre joueur prêté, Moussa. Pour voir 27 matchs, 9 buts et 5 passes décisives avec Southampton. Ok, ok. Bon, bah on arrive tout tranquillement en fin de vidéo, les escrocs. J'espère que vous aurez kiffé cet épisode. J'ai joué un petit peu plus de matchs que prévu. J'espère que vous l'aurez remarqué et kiffé, les escrocs. Du coup, on se retrouve mercredi prochain pour la suite de notre carrière manager avec Leicester. D'ici là, prenez soin de votre famille, c'est important. C'était Flo Knox. Au manette.